Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, tout va très bien. J'espère en tout cas que vous, tout va bien. Moi, je suis dans un bon cadre. La campagne, pas de bâtiments, pas de gens qui pètent, pas de voitures pourries qui viennent salir l'air qui est en train de rentrer dans mon nez. L'air, elle est saine là. Hein? Tout va bien. Et là, je suis en train de me reposer l'esprit après l'information diabolique qui vient de tomber sur nos têtes. Alors là, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis allé me coucher paisiblement. Quand je me réveille, je vois que Lionel Messi est plus un joueur du FC Barcelone. Retournement de situation, c'est fini. Nasser est sur le dossier. Alors là, non, mais ça, j'arrive pas à y croire. Moi, quand je disais Lionel Messi, vas-y, viens au Paris Saint-Germain, je disais ça pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as pris ça au sérieux, Lionel Messi. Donc, ça y est, le Quirico argentin, c'est officiel. Il joue plus au FC Barcelone. C'est terminé. Alors là, j'imagine même pas comment les Catalans, ils sont en train de se couper les veines. Oh là 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 là. Franchement, je suis tellement triste. Oh, je suis triste pour les Catalans. Ils avaient tellement d'espoir dans ce joueur. C'est terminé. Ils ont perdu leur identité. Là, ils vont tous migrer. Ils vont tous aller à la nage vers, je sais pas. Allez, on se barre de la Catalogne. On est devenu nul au foot. Et en plus, la Liga, il n'y a plus personne. Nasser, il a acheté tout le monde. Il a acheté Ramos. Il a acheté Messi. Il voulait acheter Ronaldo. Et nous, on a qui? Il nous reste Vinicius, Suarez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Hein? Eh oui, mon gars. Bien sûr. Et là, vous allez dire, oui, mais écoute, moi, je connais le Paris Saint-Germain. Si Messi, il vient au Paris Saint-Germain, ça veut dire que Mbappé, il va au Real Madrid. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous pensez que Mbappé il va aller jouer tout seul au Real Madrid là? Tout seul contre des Villarreal, Cagliari, je sais rien. Cagliari c'est en Italie, mais j'en ai rien à foutre. Parce que là, ce que j'ai entendu comme information, c'est vraiment un truc de malade. Bon maintenant là, je vais parler uniquement à tous ceux qui ont dit et qui ont écrit hein, que Lionel Messi ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais dans ce club sans âme qui est le Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais au QSG. Lionel Messi n'a rien à faire à Paris. Tous ces haineux qui ne connaissent rien de l'histoire de Lionel Messi. Moi, je vais vous expliquer. Parce que Lionel Messi, il est littéralement lié à Neymar. C'est son âme sœur. Footballistiquement parlant, c'est sa femme et c'est son homme. C'est un mariage qu'on a là. Ils se font des passes. Ils se regardent même pas. Ils se font des... Oh, mais c'est incroyable ce qui va se passer. Des passes Neymar-Messi. Mbappé qui va trop vite. Allez, on envoie la balle à Mbappé. Un petit but. Oh, il a raté. C'est pas grave, le ballon revient dans les pieds de Neymar. Neymar qui fait une passe aveugle à Messi. Messi qui refait une passe aveugle à Neymar. Oh là là, on va jouer comme des aveugles. Ça va être du grand n'importe quoi. On va vous maîtriser. On va vous prendre la tête. On va la foutre dans le sol. Et puis on va s'asseoir dessus. Tu comprends? On va s'asseoir sur votre tête. Des fois, on va lâcher des caisses. Hein. Bah écoutez, faudra boucher le nez à ce moment-là. Mais là, on va s'asseoir sur le championnat. Déjà, c'est ça que je voulais dire. Ah, oh, mais tu crois que Monaco, Lyon... tu penses qu'ils peuvent rivaliser hein, avec cette équipe incroyable? Kimpembe, Marquinhos, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi, Wijnaldum, Hakimi, Ramos. Ah non, mais c'est n'importe quoi. On est où là? On est dans quelle vie? On est dans un manga? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé de tous venir au Paris Saint-Germain? Calmez-vous. Même Ronaldo, il voulait venir. Et en plus, on a longuement hésité. Hein. On s'est dit qui on achète? Hein? On achète la machine qui fait du sport tout le temps ou bien on achète le petit nain? Neymar, il est venu, il a dit le petit nain, oh. Le petit nain, oh. Le petit nain, oh. Est-ce pour moi? Oh. Est-ce pour moi? Oh. Est-ce ma femme? Oh.